Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude et comme tous les jours depuis maintenant 10 épisodes. Donc, 10 jours pour la suite de notre aventure sur Last of Us 2. Comme d'habitude, merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de poser leur plus beau like et leur plus beau commentaire. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs et ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est une perte de temps, mais finalement un gain derrière parce que vous savez que comme ça, ma vidéo touchera un peu plus de monde et clairement ça fait plaisir. On a avancé, on est bientôt dans le bâtiment de l'antenne télé, enfin là où on a vu l'antenne de diffusion, et Tommy s'arrêtait jusqu'ici en cheval, il a continué à pied, donc il est temps de continuer comme d'habitude. Plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs, c'était pas comme ça à Boston, et profitez de la 4K 60 fps si vous le pouvez. Il n'y a pas eu de guerre civile à Boston, les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Ok. Bon. Est-ce que tu vois la station télé? Elle est là. Ouais, c'est par là. Elle est là. Très très bien. Et ben on va passer par ici. On y est bientôt. Regardez, il y a des morts. Tommy, il s'est régalé. Hein. Encore des cadavres. Tommy, il a arraché tout le monde. Tommy est arrivé par ici. Il a arraché tout le monde. Et ça, ça fait plaisir. Je parie qu'il a pris ce chemin. La question est, ok, il a peut-être pris ce chemin, mais ça veut dire il y a quoi à l'autre chemin? Un piège. Oh, merde. Oh, pas vu. Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Ah ouais. Bon, bougez pas, j'ai... Bibi a toujours sa petite solution. Déjà, on va prendre ça. Ça fait du bien. Cette fois-ci, je ne pourrai pas mourir et je suis spécialiste. En quoi? J'en ai aucune putain d'idée, mais je reste spécialiste. On va fouiller ça tranquillement. Attention! Voilà. C'est terrible, c'est terrible! Beaucoup trop de pièges par ici. J'ai peur d'avancer. L'idée des pièges est pas mal, hein. C'est vrai quand on y pense. Pourquoi il le faisait pas avant? C'est terrible. Oh là, on est dans un truc de Krav Maga ou quoi, frérot? Elle, normal. Elle a confiance de ouf en sa vision, tu sais. Très bien. On est dans un terrain d'entraînement. Attention! Oh! Eh, du papier, ça joue. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Voilà. Fais attention, Dina. Fais attention, en ce moment, je suis très sensible. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, régale-moi. Alors, Rebecca, tu as dû comprendre que je ne monterai pas dans le bus. Je t'aime, mais je ne comprends pas comment tu peux te ranger du côté de ces enfoirés de fascistes. Ils ont tué un de mes voisins. Ils l'ont mis à genoux et abattu devant sa maison. Il s'appelait Jimmy. Je le connaissais depuis qu'il avait 13 ans. Il avait piqué un magazine dans ma boutique. Je suis la première à qui il se soit confié. Il a dit une prière bizarre avant de mourir. Depuis, je l'ai dans la tête. Que le courant soit calme, puisse-t-elle me guider. Je vais aller à la cabane pour réfléchir à ce que je veux faire. J'espère que tu retrouveras tes esprits et que tu m'y rejoindras. Fran. Très bien. Ça, c'est rangé, c'est dans la poche, c'est Bibi qui arrive. Des cabines d'essayage, très bien. Et sur un malentendu, regardez. Voilà, on peut trouver des petits trucs qui ralassent un petit peu. Hop, ça aussi. Merci. Et là, on n'a plus rien. Malheureusement, j'ai pas, à mon avis, assez de choses. Bon, allez, on va voir quand même si on peut peut-être customiser un petit truc. Ça pourrait être sympa, je vous avoue. J'ai 4 armes sur moi. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Une cadence de tir. Cadence de tir, ça serait plutôt pas trop mal. Une cadence de tir pour le Magnum, ça serait cool en vrai. 35%, c'est pas négligeable qui plus est. Allez, hop. Oh, on fait les fous. On fait les fous, on vit qu'une fois. Au bout d'un moment, faut y aller. D'accord, hein, on dépense, hein. On n'a pas trouvé tout ça pour rien, d'accord. Le travail paye. Allez, go. Ça dégage. Ça dégage. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends. Ah non, on peut pas sauter. Quelle tristesse. Ok. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux.
ça se tente ou pas? Oh putain de merde, ça se tentait pas du tout. Je peux repasser par ici. Oh. Tiens, ici aussi. Encore. Ça se retente en vrai, non? Je pense que ça se retente. Après, j'ai une idée. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Incroyable. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. Incroyable. J'ai vu Joël faire ça une fois. Incroyable. La machine. La machina. Ok. On peut ramper. On va ramper d'ailleurs. J'aurais pu aller à droite, hein. C'est vrai que je sais pas pourquoi je prends ce chemin quand on y pense. J'aime le challenge. J'aime le danger, les obstacles. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ok. C'est la station télé. Attends, je vois pas trop où elle est là. Elle est totalement là. Peut-être ouvrir derrière, non? Le chemin. Ouais, non. Autant laisser ici. Je peux y aller? Ok, c'est un échec. Putain, c'est pas vrai. Va trouver la clé mort, frère. C'est tout trouvé. J'ai peur d'avancer, c'est horrible. Allez, on est bon. Ouais, j'ai pas pris le chemin de Tommy. Je sais pas du tout. Merde. Ce qu'il y avait. Ah ouais. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher? Pas ici. Ah ouais. Bah nulle part en fait. Comment je peux faire? Tu peux les déclencher. J'ai envie de passer par le chemin de Tommy, mais je suis sûr que ça se trouve, en fait, le grillage y était fermé. On ne pouvait pas rentrer dedans, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, j'ai trouvé par où passer. On va passer par ici. Un petit peu plus de hauteur. Je suis sûr qu'il y a des gens... pas dans la discrétion, là. Il y a des gens qui sont restés en courant là-dedans. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Hop, moi c'est la brique que je veux, mon pote. Hein. Moi je suis un homme de la brique. Une femme de la brique plutôt. Ok, eh ben, on a réussi. On est bientôt. Faut que j'entre là-dedans. Par contre, piéger toujours plus, hein. Ça fait vraiment plaisir comme ça. Bon gros piège là, tu vois. Histoire d'être sûr qu'on puisse rien faire. J'arrive, je vais t'ouvrir ma grande. Hop, mes couilles, allez, tu te démerdes. Regardez, on y est. On y est. Et ben voilà. Fais un bruit. Ça a l'air désert. Je me méfie. Tu vois une entrée? Pas encore. Et si on grimpait? Bien sûr qu'on va grimper, tu crois quoi toi? Je fais du parcours et des cascades depuis ma plus tendre enfance. Je vais pas laisser ça en vain, hein. Ok. Ah! Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois? Viens, on entre. Eh, tu poses des questions? Oh, la chance, un arc. Bah ouais, non, on entre, on va rentrer par là, hein. On y va en mode ninja, hein, bah les couilles, hein. Ok, bon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça va swinguer ou quoi?
T'es sûr qu'il y a encore quelqu'un là-dedans, hein? Si Tommy, il venge... Putain, s'il tue tout le monde, c'est terrible, hein. J'aimerais que Tommy me laisse 2-3 gars, quand même, d'accord? Alors, on a des trucs, on va se régaler. Hop. Voilà, désolé, des fois, je m'énerve un peu trop. Ça, c'est fait. On va fouiller un petit peu tout. Hop, c'est une télé. Voilà, je me suis dit peut-être c'est une vitre. Une vitre sans teint ou autre. C'est totalement une télé. Putain. Il m'a fait peur. Fais attention. Ok, Nash. Wesh la famille. WLF partout. Ok. Pas beaucoup parlé, hein, à partir de maintenant. Ça va être un épisode, je pense, très très calme. Ok. Oh, ça me prend tout ça. Regardez-moi ça. Voilà. Hop, on utilise tout. Comme ça, on est tranquille. Et on est bon. Très bien. Ah! Oh, trop bien ça! Bah ouais, mais comment on va faire? C'est pas vrai. Comment on va faire? On va pas tirer aux pompes, ça sert à rien. N'abusons pas des bonnes choses. Ok, j'ai trouvé. Eh, faut fouiller quand même, hein! Ah ouais. Il y a ce qu'on appelle des pendus. Oh merde. Non, non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Je sais pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Ah ouais. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas, mais reste sur tes gardes. Alors là, j'ai aucune idée de qui ça peut être pour le moment. Très bien. Ceci est embêtant. Sûrement une faction opposée, je sais pas. On va aller fouiller tout quand même, hein, pour le coup. Ah, une histoire à avoir la tête en l'air, ça. Hein. Hop, regardez. Regardez qui voilà. Ça, c'est beau, ça. Ok. Non, c'est une tasse. Bon. Eh bien, écoutez, on va monter, tout simplement. On va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. On aura peut-être une meilleure vue, qui sait. On peut aller là-haut, c'est terrible, il y a trop d'endroits. Il y a trop d'endroits à fouiller. Peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Regardez. Ici par exemple, c'est un scotch. Scotch qu'on a déjà en beaucoup trop d'exemplaires. Ici on peut tomber. Attendez, est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça? Ça. Et ça. Juste histoire de s'offrir, tu vois. Putain, mais c'est pas vrai! Eh, hey, être routine, frère! Amène-toi. Eh, hey, on dirait un cheval! J'ai cru que c'était un chien qui cavalait vers moi! Ok. Attends, j'arrive ma grande, mais là, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de scotch. C'est ma grande passion, le scotch. Les rubans adhésifs, c'est vraiment mon délire. Désolé. Alors.
Des ciseaux. Tiens, bon, en vrai, on est bien. Là. En vrai, on est bien. Merci de m'aider, Dina. Hein. C'est juste que je fouille tout. Hein. Tu m'excuseras de prendre mon temps. Pas envie de me faire engueuler. Il y a des milliers de personnes qui nous regardent, Dina. Pas envie de faire n'importe quoi et me faire engueuler derrière, d'accord? Donc, t'es prié de me respecter un minimum. Tiens, qu'est-ce qu'on a? C'est plein. Ah bah là, on peut dire que, clairement, pour le coup, j'ai même l'impression qu'on fouille bien plus que The Last of Us 1. Attends, c'était bien moins grand. Merde. Allez, c'est pas grave. Encore un cadavre là-haut. J'aime pas ça. On est trop à découvert. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais... sois prudente. Attention où tu marches. Allez hop! Une autre potentielle miniature! Et on est bon. Ok. Ah oh ouais, mais quel bordel! Quel bordel, les amis! Quel bordel! Désolé, je suis énervé! On en a marre, nous! On en a marre! Oh là là, là ça va partir en gunfight, je vous le dis. Ça va swinguer. Sent pas bon. Une carte à collectionner, je prends. Allez, on va étudier ça. Oh, stylé, elle a un ours. Kimimella. Très bien. Ok. Après que sa maison familiale ait été saisie par des promoteurs cupides, les revendications de la jeune scientifique Kimimella Green sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Frustrée, elle transforme ses recherches sur le comportement animal en action politique après de nombreuses heures passées au labo. Elle a fini par mettre au point un appareil qui lui permet de communiquer avec les animaux par télépathie. Aujourd'hui membre de la Society of Champions, Kimimella intervient aux quatre coins du monde pour protéger les gens dont les foyers sont menacés par les conflits et la cupidité de l'homme. Et lorsque les malfaiteurs ne l'écoutent pas, elle laisse les animaux parler à sa place. Nouvelle carte, je chatte. Très très bon. Bonjour. Ok, allez, on continue. On se bordit, hein. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a rien du tout. Commence à faire un peu beaucoup. Même si je devrais pas prendre le fusil à pompe, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, il n'y a pas grand monde. Tommy est... T'as entendu? C'est quoi ça? Si Tommy est passé par là, que des gens ont pendu d'autres gens, je commence à me poser pas mal de questions, si vous voyez ce que je veux dire, et ça sent pas bon. Ok. En plus, il y a des trucs WLF partout. Wesh la famille. Ok. Quelqu'un qui souffre là, non? C'est elle. Léa. T'en es sûr? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Dina. Hmm. C'est des photos d'eux. Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. C'est elle. Celle qui l'a tuée. Unité de soutien India en route vers la station télé. Je répète, unité de soutien India en route. Ouais, faut qu'on se tire d'ici.
Ah. Bon, 3 de moins, oh. Mais à part le gars qu'on a tué avec Dina, je sais pas, beaucoup de massages. J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à parler. Non, je l'aurais démoli. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour le torturer. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevé. Je comprends. Tu veux qu'on se plante quelque part? Merde. Baisse-toi. Ok. Meurt là? Sérieusement? Ouais, on meurt, hein. On meurt totalement dans d'atroces souffrances, hein. Ok. 1, 2. Putain, elle me fait tellement peur. Elle va me faire criser, elle, hein. Trois. Normalement, ok. 1, 2, oh ouais, c'est fou. Je les vois! Je suis là! Kéra! Ok, ça va swinguer, c'est ça que je comprends là. Ah, t'as clé par l'arrière. Bon. Bah si ça va swinguer, ça va swinguer, mon petit pote. À droite. Ici. Forcez le passage. Ferme-la, ferme-la, ferme ta gueule. C'est pas possible. Incroyable. Oh, compris. Hey, non, non. Si tu veux me tuer, finis-en. Ta gueule. Alors, petit-fils, tu sais ce que les gens veulent depuis le début? Bah, je vais te le montrer. Tu m'as eu. Enfoiré. Voilà. Putain de merde. Ils veulent juste que tu fermes ta gueule. Il en reste? Non, je crois pas. C'est pour vous. C'est pour vous, les amis. Pour tous ceux qui regardent. Par ici. Viens. Ok. Attends. Parce que, franchement, là, je te dis. Si par contre, on peut avoir des petites munitions, je dis pas non. Au bout d'un moment, on a quand même pas mal à faire. Ok, dommage, j'ai tué personne là-haut. Bon, j'ai plus de balles de carabine. Mais, à contrario, regardez-moi ça. Un bon fusil à pompe. Cascade, double cascade. On s'en est bien sorti encore une fois, non? Je sais pas, j'espère que vous êtes contents quand même. On a bien géré le coup, on a utilisé qu'un putain de soin. Attendez. Voilà. Ça vaut toujours le coup de se faire un petit soin en plus. Mais, juste là. C'est pas au moment, hein, au moment où je... C'est pas vrai, hein. Putain, au moment où je cours, parce que je me dis, vas-y, je peux courir. Mes couilles, ouais. Fais chier. Ellie, par la fenêtre. Ah, t'as clé par l'arrière. Dans la merde. Par là. Hop,
Cascade. Hop, micro cascade. Grosse cascade, combo cascade. J'ai pris un poteau. Tina, faut y aller. Il y a un truc, là-bas. Elle court avec les cascades. Qu'est-ce que j'en sais, putain. Aïe. Aïe. Je m'arrête pas. Aïe. Enfin. C'est pas vrai. Je crois que j'ai pris les deux molotovs pour rien et j'ai fait. Ah non, mais Dina. Mais Dina. Putain, elle est là. Ok. Oh, j'ai eu tellement peur. Ça devrait tenir. On continue. Faut trouver un passage. Des sports. On met les masques. Ok. Catastrophe, catastrophe. On va faire du sport. On se casse par où, là, ces conneries, putain. Ok. Bon, allez, on s'enfonce en enfer. On n'a pas trop le choix, apparemment. Bon, dans cette histoire, j'ai tué personne. Faut qu'on avance. Oui, bah, tu fais quoi, là, ma grande? Tu crois que je recule, quoi? Y'a rien? Oh, si. Oh, si. Et ça, ça régale. En vrai, on avance très bien. On avance, si vous voulez mon avis, on avance en parmesan. Et donc, c'est très bien. Tu vois, un peu de parmesan comme ça sur une pizza? Bah, c'est ce qu'on appelle l'avancée en parmesan. Et ça fait du bien. On avance à la cool grâce à ça. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Bah sinon on soulève, on n'est pas con, on soulève le distributeur quand on a l'impression qu'ils sont partis et ça dégage. Hein. Ouais. Ah, c'est par ici. Allez, on rentre le ventre. Bonjour madame, monsieur peut-être, madame, je dirais madame. Vous allez bien? Ah ouais, non mais c'est des forceurs. Merde. C'est qui alors? Des chats, des intrus? Joe quoi? Joe a bien. Des claqueurs. Ça casse. Qu'est-ce qu'on en a autour de ces intrus? Les scars viennent de passer toute une idée. Pourquoi on les laisserait pas ici les infecter pour les bouffer? Elles ont tué Mike. Je veux les buter moi-même. Elles ont Jordan aussi. Putain. C'est pas vrai. Ça va se battre. Merde, ils nous ont vus! Défoncez! Regardez le spectacle. D'autres volontaires? J'ai dit de regarder le spectacle. Tu veux tirer, Dina? En vrai, laisse, hein! Laisse-les s'amuser un peu, hein. Ah, lui, il se rapproche quand même dangereusement. Aïe! Non! J'ai voulu faire mon malin. J'en paye le prix. J'en paye les conséquences. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, j'ai voulu économiser la petite balle, tu vois. La petite balle qui fait plaisir. Bon, allez, qu'à cela ne tienne. C'est pas grave. J'ai aucun regret. J'ai vécu ma vie à 100%. On est reparti, on va remettre ça. Bordel, ils nous ont tirés. Ah, quel meilleur spectacle.
Allez, arrachez-moi tout ça. Skyler ! Quel beau spectacle. Je suis ému. Regardez. Regardez mes enfants grandir. Ils sont trop nombreux ! Repliez-vous ! Oh là là. C'est beau. Ah, ils ont bien grandi, mes petits bébés, hein. D'autres volontaires ? Merci. Bah voilà. J'ai envie de vous dire, bon, tout est bien qui finit bien. Une petite balle de pompe utilisée. D'accord. Faut pas qu'on traîne trop longtemps dans le coin. Prends tout ce que tu peux. Et après, on bouge. Oui, 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 j'ai compris, ça va swinguer. Bon, on s'en est bien sorti la deuxième fois. J'aurais voulu un petit peu plus de spectacle, tu vois. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Soyez quand même satisfait de ce qu'on a vu. On a vu des mecs souffrir. Et ça... Ça, c'est la beauté du sport, en fait. On va rentrer là-dedans, parce que j'ai vu aussi des gens rentrer. Ils ont forcément des munitions. Les couilles, hein. Que nenni. Voilà. Bon, vu que c'est ici la sortie, on va quand même fouiller de l'autre côté. Ne soyons pas avares en friandises. En plus, il me reste ma barre de fer, ça pourrait être. Tout fouiller, hein. J'en ai rien à péter. Hein. Personne va me tester ici, c'est moi qui te le dis, d'accord? Hop, regardez-moi ça. Alors, hein, on entend moins vos grandes gueules. Hein. Ça, c'est quasi du one shot. Hein. On va ouvrir ça. Allez, non. Allez, Ellie, on y va, s'il te plaît. On ouvre les bons trucs. Merci. Voilà. Fait beaucoup de bruit, hein. Je sais pas où ils sont, putain. Ils doivent être juste au-dessus. Ils ont peut-être pas pris la bonne rame de métro. Je reconnais, c'est le... RERB que j'entends, là. Très pressé. Jamais prendre le métro. Surtout en cette période de Covid. Vous finirez comme ça, sinon. Oh, tiens. Incroyable. Eh ben, on est méga bien, en vrai. On est méga bien, on a tout bien fouillé, comme des chefs. On peut se barrer tranquillement. Attendez. Quelque chose me dit que c'est pas terminé. Vous savez quoi? Je vais prendre ça parce que je le sens pas là. C'est stylé par contre avec les sports là. Il n'y a rien derrière. Aide-moi pas, Dina. Bah ouais, putain, tu vois bien que je galère. C'est pas possible. Ouvre-toi. Ok, ils étaient trois quand même. Ouais. Bon. Est-ce que ça va? Ouais. Merci. Ellie. Je suis vraiment crevée. Viens, on fout le camp. Ah, j'avais dit que c'était une longue journée dans l'épisode 4. Hein. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire comme d'habitude.
J'espère que vous avez bien kiffé ce moment en ma présence. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.